Bonjour, c'est Grifox. J'ai le plaisir de vous retrouver pour une partie de StarCraft. On joue en Terran contre Terran sur Domaine des Dormeurs et on a un niveau de jeu platine autour de 3000 MMR. Donc vous avez vu, je joue pas Protoss comme d'habitude. J'essaie de m'exercer aussi un petit peu sur les autres races, ne serait-ce que pour bien les connaître et mieux savoir comment les contrer. Je sais pas pourquoi j'ai pas lancé de VCS plus tôt. Voilà, donc c'est moi Terran, je suis pas ultra à l'aise, hein. Je découvre un petit peu, j'ai pas un niveau incroyable, mais je trouve ça très sympa de changer un petit peu, de varier. Alors je parle plutôt dans une optique méca, je trouve ça plus simple à gérer que du bio, sachant que bio ça demande beaucoup plus de précision, voilà, dans les clics, dans les déplacements, et que comme déjà je connais pas bien la race, je préfère y aller tranquille. Et c'est très sympa de jouer comme ça. Donc, let's go, je vais jouer avec beaucoup de Battle Cruiser, je pense, et puis des unités aussi au sol en soutien pour pas se faire counter trop facilement. En essayant de jouer assez macro quand même. Alors ce qui est bien, c'est que bah, je connais pas trop la race, donc forcément je suis un peu moins bon. Mais j'ai quand même une macro qui est globalement plus élevée que celle qu'on croise à cet elo. Donc en général, ça se passe plutôt bien pour ce qui est de la macro. Après, la question, c'est plutôt le choix des unités et la micro. Bon, là, bah, je suis débutant hein, sur Terran. Ok. Allez, on remplit le gaz, on va envoyer quelqu'un sur la B2. Je vais aller envoyer un faucheur assez rapide. Hop. Alors, il va me falloir de la pop. Je vais prendre une B2 assez fast, ensuite je vais faire des usines. Bon, bah jusque là tout va bien. Faut que je fasse attention quand même contre un zerg, hein, ça peut faire assez mal. Après, ce qui est bien, c'est que le faucheur à lui tout seul, en fait, il repousse n'importe quelle quantité de zergling concrètement. Il en faut encore un là. Il va falloir un centre technique. Hop, la B1 est full, c'est parfait. Je vais refaire un petit dépôt ici. Allez, est-ce qu'on peut prendre ça? On va le rendre fou, hein. Je crois que je le pète le marine comme ça, non? Ah! Je pensais que je pouvais sauter là, je suis archi triste. Putain, fait chier. Je sais pas trop pourquoi je crève comme une daube là. Je me voyais me barrer et il me régène. Et en fait, je pouvais pas passer par ici. Bah voilà, déception. Là, c'est une mauvaise connaissance de la map. Sachant que forcément, bah, c'est le genre de détail auquel on fait plus attention quand on joue Terran que quand on joue Protoss, hein, forcément. Ça, je vais le mettre comme ça. Il va falloir que je tempo. En vrai, je vais refaire du faucheur hein, parce que là j'ai peur qu'il me mette au fond. Ok, non, c'est bon, normalement là je le pète. J'allais dire, c'est même pas impossible que j'arrive à me le faire. Je saute là, non? Je sais pas, c'est dur de savoir quelles sont les falaises qu'on peut franchir et quelles sont celles qu'on peut pas franchir quand on connaît pas bien. Bon, c'est pas très grave. Tiens, toi tu vas me prendre du gaz. Non, j'ai ma forteresse planétaire, hein, ça va aller bien mieux. Ok, je vais me faire une petite tourelle lance-missile, sait-on jamais. Hein. On va éviter des problèmes tout de suite avant qu'ils arrivent. Et je vais partir, il va falloir que je sorte de l'aérien assez vite. Tiens, je vais voir si je peux péter cette double. Là, tu vas me récolter du gaz. Allez, on va lancer la production en masse. Je vais partir sur pas mal de Battle Cruiser. Ok, bah jusque-là, tout va bien. Je vais me faire des centres, des laboratoires techniques pour
pour mes usines. Je vais aussi me faire des armureries assez vite pour des améliorations. Je vais essayer d'en faire... si je pouvais en avoir 3 en même temps, en fait, ce serait nickel. Et déjà, on va dire 2, c'est déjà bien. Mais... ok. Allez, je vais me faire un cyclone, un tank. Sérieux, là? Est-ce qu'il est sérieux? Bon bah j'avais à peu près ce qu'il fallait pour le repousser. J'ai quand même pris pas mal de dégâts, j'ai mis un peu de temps à me rendre compte en plus qu'il me tombait dessus comme ça. C'est assez contrariant. Normalement, là, voilà. Je l'attendais le moment où il allait passer au-dessus de la tourelle et qu'il allait se faire péter. C'est nickel. Ok, je suis full pop. C'est un peu chiant. Il va me falloir des dépôts ici. Et là, ce serait bien que je pose de la tech maintenant. Continuer dans l'idée des améliorations. Alors, je vais caler un tank ici. Ça devrait me mettre assez safe. Ce serait bien si je pouvais en faire encore un. Je vais faire l'amélioration flamme bleue. Je joue pas mal avec ça. Ça, c'est bon. En vrai, toi, tu vas devenir station orbitale. Ça te fera pas de mal. Je vais me faire... alors, c'est... oui, c'est pas vraiment ce que je visais, mais ok. Bon, bah je suis pas trop mal. On va sortir nos petites améliorations dans tous les sens. Et je vais essayer d'avoir... putain, le mec ne s'arrête jamais. Alors mon tank est pas bien positionné là. Mais je vais me faire péter en fait. Putain, tout ça juste pour une histoire de tank quoi. Là je vais me péter tout seul mes unités. Bah, c'est un plaisir en vrai de perdre contre ça. Hein. Vraiment, je suis super content. Je trouve ça super drôle. En plus, bah, je sais absolument pas gérer mes unités. Hein, forcément, c'est pas ma classe. Ah, c'est chiant parce qu'en fait, c'est bah, juste sur des petites agressions rapides comme ça, bah, c'est ce que je sais pas défendre en fait. C'est exactement ce que je ne sais pas défendre. Le mec est vraiment chiant en vrai. Bah après il a raison, hein, il a raison, il me pète, mais en fait ce qui m'énerve c'est juste que je défends pas parce que je sais pas bien utiliser les unités de cette classe et pas parce qu'il est meilleur quoi, c'est juste ça qui est chiant. C'est un peu frustrant, et là de toute façon je suis en train de crever à la macro, hein, très clairement. Genre là le tank qui était pas au bon endroit, mais ça bon, un petit peu énervant. Après c'est pas fini pour autant. Hein. Alors j'ai une Banshee qui sort, je me rappelle pas en avoir fait une. Mais très bien, on va partir là-dessus. Et... en fait, le mec il s'arrête jamais, hein, de ce que je comprends. Allez hop, là, ça dégage. J'ai tenu, hein. J'ai tenu. On va continuer à sortir du cuirassé. Est-ce que je peux voir il en est où dans son écho, lui? Ok, il y a du tank. Putain, en vrai... dès que mes cuirassés sortent, je les envoie sur lui. On verra bien comment il réagit à ça. Normalement, faut arrêter de me chier sur la gueule, hein, c'est quand même pas très agréable. Alors, ça normalement c'est full. Tiens, toi tu vas m'ouvrir le passage là. Ok, là je suis bien, j'ai le Yamato. Là je suis bien aussi, bon bah go B3 maintenant.
qu'il y a beaucoup de tourelles. En vrai, je vais TP in, le mec il va pas comprendre. Je pense que ça peut donner un truc un peu drôle. Je vais voir si j'ai moyen de... Coucou. Coucou, c'est Grifox. Allez, on va péter les tourelles tout de suite. On va essayer de faire nos petits dégâts, tranquille. Ah, alors là, tout de suite, ça fait moi le fou, hein. Ok, j'ai rien dit, je vais me faire éclater, il y a plein de marines qui débarquent. On va essayer de courir. En vrai, il en perd quand même, hein. Alors, il faudrait juste que ce soit pas lui qui prenne le focus. Là, je suis en train de... Ok, bon, j'en ai perdu un, je suis un peu pressé. J'ai un peu grid, hein, j'avoue. J'aurais pu direct me barrer. J'ai un peu grid. Mais bah, je suis en train de me relever, hein. On dirait peut-être pas comme ça. Mais croyez-moi, je suis en train de me relever et je suis pas mort. Tac, il y a beaucoup, beaucoup de... C'est sérieux là? Alors en fait, je suis archi triste parce que j'avais ma TP. C'est juste que j'étais pas en train. Je regardais pas en fait. C'est toujours un plaisir sur StarCraft hein, quand vous perdez un truc parce que vous n'étiez juste pas en train de regarder. C'est toujours très agréable. Ok. Ok, allez, ça va là. Là j'en ai 4 de trop. Ça va là. En vrai, je suis pas mal. Hein. Je suis pas trop mal. Hop, forteresse planétaire, ça c'est la base. On va prendre du gaz. On va venir mettre des petites tourelles. Ah, parfait, toi tu veux mettre une tourelle là. Toi tu veux mettre une tourelle là. Toi tu vas me faire de la pop. Je vais continuer à sortir du Battle Cruiser. Ce serait bien que j'ai un petit peu de vision sur son développement économique. Ok, il y a une B3 seulement qui sort là. En vrai, je pense que je vais le gérer. Hein. Si ça portait vraiment pas bien pour moi. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Ok, NP. Normalement, là, il va perdre pas mal, le mec. Hein. Et ouais, mon pote. On est sur un rect, hein. Un petit coup de Yamato qui partent là, ça c'est des petits medivacs qui explosent, on peut presque les entendre exploser si on tend l'oreille. Et puis là, bah, je débarque chez lui, hein, tout simplement. J'ai mes améliorations en plus qui se portent à merveille. Ah. Alors là, j'avouerai que je m'attendais pas à ce qu'il ait autant, je suis un peu deg. Après, il tombe vite quand même. Hein. Tombe quand même assez vite, mais là ça fait beaucoup hein, malheureusement. Ouais, là il y a beaucoup. Repli, repli, on cancel l'opération. Tac. Ok, là j'ai fait de la merde en fait, je viens de donner mon armée là littéralement. Là j'ai 1000 fois trop de récolteurs là-haut. Allez, il va falloir que j'aille poser une B4. Le problème, la question c'est est-ce que je tiens s'il m'attaque maintenant en fait, et ça je sais pas trop. De toute façon je pense qu'on va très très vite être fixé, hein, concrètement. Hop,
m'occupe de ma pop. Qu'est-ce qu'il me raconte lui? Pose ta base là et me saoule pas. Ouais, bon, il voit ce que j'ai à peu près. Je vais lui faire un peu d'anti-aérien parce qu'il a l'air de faire des vikings en réponse à ce que je fais. Oh putain, il est sérieux. C'est là que c'est pratique quand même de pouvoir TP dedans. Mais... ah, il me met cher là. C'est pas très agréable. Ah, je pensais que les Yamato auraient le temps d'être chargés. Je suis un peu triste. Alors il m'a pris quoi? Bah il m'a pris surtout une usine. En vrai ça va, il a pris celle avec le laboratoire technique, mais en fait j'en ai plus tellement besoin maintenant. Il a pas été fait mon truc flamme bleue, what the fuck? Depuis tout à l'heure je me bats avec des machins qui ne les ont pas, je l'avais fait, mais il a dû être cancel. Je suis archi deg, il me faut les améliorations là pour les bâtiments, j'aurais dû les faire déjà depuis un moment. Ok. Est-ce que c'est possible d'avoir des tourelles? Ok. Au niveau de la pop, je suis au max. Les améliorations, je suis good aussi. Qui est inoccupé. Ok, ça va là. Ça va là. Je vais continuer à produire à fond. Il faudrait plus de... Est-ce qu'il a beaucoup? Attends, mais là je le mange en fait le mec. Ça rend peut-être pas compte, mais... Tac, les Yamato qui partent direct sur les Vikings. Là je l'ai éclaté, hein. Allez, je m'occupe de mon écho. Là j'en ai beaucoup de trop. Tac, tac, là j'en ai 15 de trop. Tac, on va prendre B5 ici. Vous allez me faire ça. Ça, j'aurais bien aimé sortir quelques torts aussi, mais... Ah putain, le mec ne s'arrête pas. Hein. Je pense que si je l'attaque maintenant, je le crash, boy, l'abandonne. C'était pas facile cette partie, mais c'était intéressant. J'aurais bien voulu switch après sur plus de torts et de grosses unités comme ça, mais il a abandonné. Donc on va regarder un peu les graphes, ce sera intéressant de voir. Voleur d'armée, je suis en bleu. Ah, il m'a quand même dominé toute la partie, hein, mais je m'en suis sorti miraculeusement. Économie, j'étais largement au-dessus de lui en fait. En fait, ça c'est quand j'ai TP chez lui avec mes cuirassés, il s'en est jamais relevé. Amélioration, j'en avais beaucoup plus que ça. Je vois souvent qu'à plus bas Elo, les gens ne font pas d'amélioration. Genre très peu, je trouve ça toujours trop bizarre, alors que bah, c'est là-dessus que je l'éclatais tout simplement. Puis ouvrier actif, bah, de toute façon c'est la macro, hein, comme j'avais dit, c'est vraiment là-dessus que je gagne. C'est pas sur la gestion mécanique des unités, où bah, là je suis pas dans ma zone de confort et je découvre une race, mais sur la macro, les gens ne jouent pas macro à cet Elo en fait. Bon, c'était fun, voilà, c'était un petit peu pour vous présenter d'autres gameplays, puis je pense que je jouerai quand même régulièrement du Terra, n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît. Et puis bah, le niveau devrait monter petit à petit, donc ce sera de plus en plus sympa. Si ça vous a plu, vous pouvez liker, partager, vous abonner, commenter, je lis tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Si vous voulez voir du contenu similaire, sachez que j'organise mes vidéos en playlist. Si vous voulez me soutenir, j'ai un Tipeee. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, prenez soin de vous et à bientôt.